Ça s'appelle une allée couverte. Je trouve qu'on dirait le dos d'un dragon émergé de la terre. Et c'est très ancien. On n'a pas pu dater avec précision, mais je crois que ça doit dater du début des monuments égyptiens, c'est-à-dire 5 ou 6 000 ans avant l'ère chrétienne. Et ça parle vraiment du passé de ce pays, de ce continent. Personne ne sait à quoi ça servait exactement. C'était probablement une sépulture, mais on ne sait pas. On ignore la... Et je trouve que c'est bien qu'on ne sache pas à quoi ça servait. Et ces dalles de pierre qui ont été basculées l'une sur l'autre, qui sont couvertes de mousse. Il y a énormément de ces pierres en Bretagne. Et on a le sentiment qu'on marche sur les ossements de ceux qui nous ont précédés. Et on a une espèce de sentiment d'osmose avec le passé. Et quand on parle de la préhistoire, on pense toujours à un monde qui n'a pas de parole, qui n'a pas de texte. Et je pense que pour construire ça, il fallait qu'il y ait une société véhiculant une littérature, une poésie, un rituel. Et donc ça parle aussi de littérature. Pour moi, c'est bouleversant aussi parce que c'est la naissance de la littérature, la naissance de l'imaginaire. Je suis issu d'une famille bretonne, une famille de tradition bretonne. Et mes ancêtres ont quitté pour aller à Maurice. Mais dans ma famille, et c'est vrai pour moi-même aussi, nous avons toujours éprouvé le besoin de retourner régulièrement sur les lieux, de revoir ce pays presque mythique, ce pays que nous avons gardé dans notre cœur. Et chaque fois que j'y vais, j'ai le même choc. Je sens que d'une certaine façon, j'appartiens à ce pays-là. C'est très difficile de dire pourquoi. Ce sont peut-être les couleurs, c'est peut-être le bruit de la mer, ou bien c'est peut-être le comportement des gens. Il y a quelque chose qui fait que je m'identifie vraiment très fortement à la Bretagne. Et peut-être une forme de silence aussi. Les gens en Bretagne sont facilement taciturnes. Quand on a quitté ce pays, c'est peut-être là qu'on peut dire pourquoi on est breton. Ce qui vous rattache à ce socle, c'est peut-être ce goût d'un certain silence, une forme de minéralisme mental. Une forme qui vous attacherait au granit, au sol lourd, au sol, à ce sol qui a fleurs partout, au fait qu'il y ait des pierres partout et que ces pierres portent souvent des traces humaines. Et au fait que, c'est vrai, d'une certaine façon, les Bretons ont été les sauvages de la France pendant très longtemps.